politiques et qu'on rencontre dans nos milieux professionnels et qui seraient tout à fait aussi bons qu'eux. Alors là, franchement, sincèrement. Hein, comme la République en marche. Voilà. Comme dans, mais comme aussi dans la France insoumise. Bon, on a aussi 50% de gens qui viennent, qui ne sont pas de partis politiques. Bon. Donc là-dessus, je pense que c'est important. Il faut réouvrir absolument l'accès, finalement, à la fonction de d'élus à l'ensemble de la société française. Mais pour ça, il faut effectivement leur donner un statut, et ça, c'est assez important. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut être candidat, moi je le vois aujourd'hui, puisque c'est la première fois que je suis candidat titulaire comme ça, bah, c'est un investissement, bah, je pose mes jours de congé, moi. Enfin, je pense que pour les autres c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on pose nos jours de congé, j'ai avancé, on avance l'argent, même si on espère être remboursé, etc. Donc c'est quand même pas donné à tout le monde, et donc si on n'a pas un minimum d'encadrement de ça, et de facilitation pour être candidat, à mon avis on réouvrira pas réellement le jeu politique. Par contre, je voulais rebondir sur la dernière partie, parce que sur la dernière partie de l'intervention de Dominique Thion, je suis d'accord, il faut quand même faire attention à une dérive qui consisterait à casser le lien entre les citoyens et leurs élus, et de faire en sorte que finalement on ait ce qui se passe, j'ai l'impression, avec La République En Marche, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ne sont pas connus localement, qui sont désignés nationalement par le mouvement En Marche, et quel que soit l'avenir finalement des choix politiques de Macron, si finalement ça ne plaît pas à la population, il ne prend pas tellement de risques, puisque c'est des gens qui sont en gros des députés Kleenex, hein, j'ai un peu l'impression que...